Allez. On se dit bon. 3, 2, 1, go. Le chapitre 1. Qui ont réveillé Mia. Merci pour le bon chance. Trop vite parce que sinon après on peut faire chier. Putain, voilà, je disais. Bon. Ha!
réveiller Emilia. でも c'est ici que ça bug à chaque fois. Je vais sauvegarder, on verra bien que ça fait. C'est bien ça, la sauvegarde. Vas-y, je le fais plus maintenant, l'espèce de truc de plante. Je le fais plus tard, je pense que j'ai pas besoin de le faire maintenant. Ah bien. Thank you.
Il est parvenu. Salut Big Streaker, ça va bien? Ah! Bah j'espère que c'est résolu maintenant. Problème. Comment que ça va? Moi ça va bien. Bon, on va voir ce que ça donne, hein, parce que bon, j'ai jamais fait le speedrun de ce jeu, il n'existe pas, ouais, sur cette version-là. On va voir. Merde. Ah oui, faut appuyer sur l'espace. Ok. J'espère que l'autre est réapparu. Il me manque un point de mana, un point d'agilité. On va le voir là. Là. Je l'ai pas eu. Tant pis, on va pas. C'est 3 ans.
Du coup, il me manque un lézard. Lance ça. On va voir. En fait, là, il se passe pas trop ce qui est normalement prévu, donc. Un peu chiant, quoi. Bien voir. Normalement, là, je devrais pouvoir crafter 3 potions, je vais pouvoir en crafter que 2 en fait. Allez. Ah, t'as changé, bah tant mieux alors. Tant mieux. Ouais, tu vois, je peux en faire que 2. Je sais pas si ça va avoir des conséquences. Probablement. Non. Inventaire, ouais. Du coup. Alors. Je suis sans faire ça, faire ça. Ouais. Reshape. Ah bah tu vois, c'est pas suffisant, il me manque 4 en fait. Il me manque 4. Bah je vais pas les faire maintenant, hein, tant pis. On va faire du push-up. Voilà. Six mois, what the fuck? T'es dans une zone très mal desservie ou? Vas-y, je vais remonter voir si ça repop. Alors le lézard non, mais lui oui. Vas-y, je vais le faire lui. En vrai, c'est la merde, hein. J'espère que le lézard va repop là, en ayant fait ce mec. Ah tiens, attends, je vais tuer un truc pour avoir 5. S'il te plaît. J'ai déjà eu les 5, j'ai mal compté ou quoi? Voilà, je crois que j'ai mal compté, je dois avoir déjà les 5, c'est pas possible. Ok, c'est bon, le lézard est là. Le lézard est là. D'accord, que je peux le crafter. Je vais tuer deux trucs au cas où. Ouais. Ouais, t'as la campagne, ouais, c'est ce que je pensais. Ça doit être dans une zone un peu compliquée. Pas prioritaire, on va dire. C'est pour ça. Alors. Ok. Un recherche. Ok, bon là normalement c'est bon. Mais comme normalement ça devrait être. Bon, c'était sous-optimal, hein, clairement. Clairement sous-optimal tout ça. Ah bon, c'est pas grave. La première run. Alors. Les lézards. Magic Blade 3.
Oui, c'est pas mort, hein. Juste que c'est pas opti. Parce que j'ai faire des petits allers-retours, on va dire. Et ça va le faire. En fait, le début avec le espèce de monstre d'élite en fait qui est dans la caverne, il galère à tuer en fait. Quand on a aucune amélioration, hein? Quand on a aucune amélioration, c'est un peu compliqué, le monstre d'élite. En fait, à la base, que j'avais créé comme routing pour le battre à 100%, finalement n'est pas un 100% puisque on a la même vitesse et ça pose problème. Puisque bah, du coup, si on a la même vitesse, bah il y a 50% de chance qu'il joue avant moi en fait. Donc ça marche pas. Le problème c'est si je me mets un de vitesse de plus. Donc je le dépasse. Par contre je le laisse à un point de vie. Donc c'est un peu chiant. Et lui il me tue bien sûr. Donc faudra que je regarde pour faire une strat. Je l'ai pas fait en fait. Pas regardé. Oui, on va réveiller. Tu vois, normalement, là, tu es censé mourir. C'est parce que j'ai 2 de force de moins, je suis sûr que c'est ça. 7 points de vie. Donc, bref. Dodo. Ok, on a bientôt fini le chapitre 1. Il nous reste 2 fights, dont un qui est complexe, puisqu'on va faire un monstre d'élite qu'on est clairement pas censé faire à ce moment-là du jeu. Mais genre clairement pas censé faire. Le truc, il a 2400 points de vie. Truc comme ça. Le jeu nous permet de faire quand même pas mal de choses. Ça c'est pas mal. On est assez libre. Il y a des zones qu'on n'a pas accès actuellement dans le jeu. Mais on a quand même accès à pas mal de zones, même très haut niveau. Late game, on va dire. Dont une où on va aller là tout de suite. Et heureusement pour moi, le monstre d'élite qui me permet de dropper un truc qui me servira plus tard. Il a beaucoup de points de vie, mais ça va, il tape pas si fort, donc on arrive à
Algérie. Salut! Chouquette! Palmito! J'ai dit deux combats? Non, c'est un combat, il reste un combat là dans ce chapitre. Donc là, en théorie, on peut déjà finir le chapitre. Il suffit de retourner à la maison et le chapitre prend fin. Merde, c'est pas là. Bravo. Enfin, je fais de la merde. C'est pas très grave. Mais nous, on va aller faire le monstre d'élite vu qu'on est juste à côté en fait. De merde qui ne sert à rien. Allez, Emilia. Oui. Hop, hop. Hop. Grâce à Emilia, on arrive à gérer. Il a pas une défense de porc, heureusement pour nous. C'est son drop qu'on veut. Ah là, le tuto est fini. Maintenant on va chez grand-mère. Chez grand-mère. Allez. Laisse-moi. Merci. Allez, on va réveiller notre poupée sanglier. Et à partir de maintenant, on ne fera qu'invoquer le sanglier. Contente, Aurore. Oula, ouais, je peux aller dans la grotte. Magic Blade. Blum, blum. Magic Blade. Oh. Bleu.
retour maison. Alors, on craft cette merde. Et ça. Allez, on s'entraîne. Je suis pas sûr qu'Emilia soit nécessaire, mais c'est bon. Pareil, ça c'est un monstre d'élite. Hein. Ah, quoi que si. Il fait 84 effectivement. Vaut mieux avoir Emilia. Hein. Absorbing. Magic Blade. Ouais, c'est bientôt le décès de la forêt. Porte à la Mystic Cave, on va à la Ice Cave. Ok. On peut upgrade nos poupées, ce que je vais faire. Ice Cave. Hop, on récupère absolument tout. Très important. On pourra pas tout crafter. Nous, on veut tout crafter. Yeah.
retourne à la Mystic Cave. On va niquer du lézard. Lui en premier, par contre. Non. Magique. Lui, maintenant, il devient une vaste blague. Avec les améliorations. Vraiment. Préjudice, ça c'est bien, on va savoir. Vitality. On va lire en même temps parce que. Ok, ensuite on craft. Alors, main magique, ça. Ensuite, deux potions. Ice Storm. What? Ok, bizarre. Il me manque... J'ai tout pris, non? Chelou. C'est pas censé me manquer un truc. Ça me fait un peu chier. Je peux revenir ici juste pour ça. Il faudra que je vérifie qu'il y en ait bien 6 quand même. Ça se trouve, il n'y en a pas 6 en fait. Item, donc ça on utilise. On utilise c'est tout et c'est tout. Ah bah non, rabbit, training, donc magique, non ça c'est magique ça, enfin si il y a ça, ah, la recherche, ouais, et push. Ok. Ensuite, deep push. Thank you.
Disons. Allez, habitat. Ça. Vitality. Mais je suis pas sûr. Regardez, mais. Ok. Ouais, il est full, non? Ah non. Ouais, voilà. Le sanglier est full. Alors, ça on mange. Voilà. Et on s'entraîne. Donc, craft, board, push. Débloquer beaucoup de choses là. Beaucoup de choses. Et on va aller affronter Raymond à nouveau. Genre, il commence avant moi. Non. What? Je miss. Ah, ok, je crois savoir pourquoi. Il faut faire Mister. Okay. Quasiment sûr. Quasiment sûr qu'il faut faire lui en premier. Ah mais non, c'est parce que j'ai pas équipé le truc aussi. Bah oui. Bah oui. Connard. C'est surtout ça en fait. C'est que j'ai pas la speed. Bah oui. Ah bah là ça va mieux. Hein. Bah oui mon gars. C'était tout hein. C'était seulement ça, hein. Fallait juste équiper le truc de speed. Mais faut le faire après avoir affronté Hector, donc finalement, ça change rien, faut faire Hector avant. Allez, on refait le truc de lave. Cette fois-ci, simple, hein. Le TDR. Enfin, c'est plus simple, plus rapide surtout. Allez, on retourne à la maison. Allez, go. Hop. Allez, on continue l'histoire, ça y est, enfin. Là on a upgrade notre perso très bien quoi. Ça c'est de l'optimisation parce que quand tu sais pas ce que tu fais, tu fais pas ces dégâts là quoi en fait.
Déjà tu vadrouilles un peu partout, tu fais un peu tous les monstres, tu récupères les coffres, tu récupères les trucs. Là... Moi je sais exactement où je veux aller. Quel build je veux, je veux pas jouer magique, je veux jouer que à l'épée. Donc... On skip tous les trucs inutiles. Pour nous en tout cas. Et on optimise les entraînements de force. Arigato, Eluli. Allez, hop. Ah. Oh ! Je viens de trouver un glitch. Je viens de trouver un glitch. Je viens de trouver un glitch. What the fuck ? Vous avez vu ? J'ai fait un OOB. En me trompant de touche, j'ai fait un OOB. Faudrait que je reteste ça. Et que... Parce que là, ça peut changer carrément le speedrun. Hein. Si ça permet de passer les triggers comme sur la version mobile, c'est broken. Faut que je défasse les 3. Nice. Ah, pourtant j'ai essayé des trucs hein. Ah mais je sais peut-être pourquoi ça a fonctionné là. Parce que j'ai le sanglier avec moi. Et à chaque fois que j'essayais sur mes recherches, j'avais pas le sanglier en fait. Et le sanglier ça augmente ta vitesse. Donc il y a moyen que ce soit ça en fait. Attends. J'achète l'arme. Not enough gold. Bah maintenant oui hein. What the fuck. Bizarre. D'habitude on a 600 de gold quand on affronte les... Pas eu 600 de gold. Alors, spécial tool. Donc, l'amélioration du bâton. Et le gros bâton de feu. En fait, j'ai trouvé le glitch. Bah, déjà, sans faire exprès. Parce qu'en fait, je me trompais de touche. J'appuyais sur tabulation et je voulais appuyer sur autre chose. Ah, oh, ouais, ça peut être très très puissant là. Une fois qu'on a le sanglier, ça voudrait dire qu'on pourrait skip beaucoup de trucs en vrai. Si on peut skip. Ce serait ouf. Ce serait ouf. Ouais, si c'est ça, il y aura 2 KT. Hein. Clairement, je mettrai glitch et no glitch.
Non, je peux pas mettre le sanglier ici. Et on se demandait qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette fille a un sanglier, une poupée sanglier vivante. C'est une marionnettiste, érudite. Elle insuffle la vie dans ses poupées. Bon, on va avoir fini le chapitre 2. On est à pratiquement une heure de run. En sachant qu'il n'y a que 4 chapitres. Hein. Oh, bon, ouais. Et que là, on a fait en fait tout ce qui était optionnel dans le jeu. Là, on fait maintenant plus que le scénario. Scénario. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais... Allez. Donc ici l'arme légendaire normalement c'est un choix qui impacte vraiment le gameplay qu'on va prendre. J'en ai rien à branler, j'utilise pas l'arme légendaire, rien à foutre. L'arme que j'ai craftée est meilleure en tout cas pour moi, pour le speedrun. Pour la simple et bonne raison que... Elle me donne de la agility. Ça me permet de jouer plus vite. Et oui. Agility, c'est fort. Ouais, dans le jeu, c'est fort. Dans le premier opus, Witch Spring Air. C'est fort l'agilité, c'est moins broken que dans ce jeu. Franchement dans ce jeu, comme je vous dis, hein, si t'as vraiment beaucoup d'agilité, tu peux jouer peut-être même 5-6 fois avant que l'ennemi n'agisse une fois quoi. C'est une dinguerie quoi. C'est une dinguerie. Donc là on doit s'entraîner pendant 10 jours dans le scénar. Parti.
Allez, on suit Adoyan. Pour le dîner. Et c'était un piège. Allez, Magic Blade. Bla. Ciao, bye bye. Adoria. Bye bye. Bye bye. Ouais, on se téléporte à Rêve Gâteau. Rêve Gâteau. Une divinité. Ouais, téléporte maison. Ben, on va sub one le chapitre 2, hein. Clairement. Ouais, on s'entraîne encore pour plus de puissance. Ouais, on se téléporte maintenant à Morel, la fontaine de Morel. Bah non, une épée. Comment elles sont asséchées. Sauf celle de Rêve Gâteau. Magic Blade, Explosion Blade, blum, blum. Ciao mon pote. La fin? Allez, allons-y. Escorpion. Oh, le bébé là. Se calme le bébé. Je tousse, je suis malade. Aidez-moi. Sauvez-moi. Ouais. Ouais.
Cuisiner moi. Ah non, pas ça. Oui, non, ça non. On va pas te mettre dans le four. Mais au tournebroche. Cool cette musique. Alors normalement je peux. Ah. J'ai rien dit. Mon personnage s'est déplacé tout seul. Alors là, ils vont nous ramener à la maison. Je peux crafter la scorpion soupe. Utiliser la scorpion soupe. Et m'entraîner. Et m'entraîner. En vrai, le truc de la soupe, je suis pas sûr que ce soit utile, mais je fais. Alors, la soupe, on l'utilise. Et on s'entraîne. Toujours plus de force. La puissance. J'arrive. Ouais. Elle en fait beaucoup des pompes, hein, je te le dis. Elle a la forme érudit. Bon, à chaque fois, de chaque pompe, hein, je gagne quand même 11 de force. 12 maintenant. Donc, bon, utile quand même.
je pense que j'en ai assez, hein, des feuilles. Allez. On va à pied à Wardilum. Ah merde. C'est vrai qu'il y a un coffre ici caché. Tout à l'heure j'ai réussi à l'esquiver mais pas là. Magic Blade, Four Strike. Magic Blade, oh. Ouais, les dégâts, c'est plus les mêmes là. On fait du 1000 par coup de... d'épée. Ça scale énormément vite en fait. Les dégâts. Plus on fait de training et plus ça devient indécent. Au début, on fait des petits dégâts. Petit à petit, c'est. Ça monte très vite. Est-ce qu'on a les bonus de l'aventure une fois qu'on a les bonus de l'aventure, le jeu nous booste. À un moment donné, quand on arrive à un certain stade, bah du coup on a une force de porc. On a mis que tout en force. En vrai, on a bientôt fini le chapitre 3 là. C'est une dinguerie, hein. C'est rapide, hein. C'est ouf. Alors, je sais que le chapitre 4 est quand même probablement le plus long, mais. Même. Il y a un chapitre 5 mais je le compte pas comme chapitre parce que et clairement c'est un fight. Item. Compte pas quoi. Alors lui c'est magique, simple explosion, 4-4. Descendre les notes pendant que ça cutscene. Ouais. Magic Explosion. Ça c'est du boss, hein. Qui tape du 1. Gros boss. En fait, ce qui est pervers, c'est que en montant notre force à l'extrême comme ça, ça augmente notre défense aussi. Du coup, en fait, on a une défense complètement abusée. Hein ? Ok. Ouais, c'est ça, en fait. On a une défense tellement élevée que... les adversaires nous tapent du 1 sur le bouclier au début du jeu. Enfin, au début des combats. Bah... 8, hein. Je vais avoir besoin de me soigner à partir de maintenant.
Ça a commencé à arriver. Wait. Hey, magic! Explosion! Adieu. Ah, il est pas mort. Pas oublier de sauvegarder la téléportation ici, sinon ça perd beaucoup de temps. Après cette cutscene, allez, on sauve sa sœur, voilà. The dragon. Dragon. Eh, sauvegarde-moi ça, s'il te plaît. Merci. Alors, hop là. Ça, c'est de mana ? Oui, ça, c'est. Faut se soigner par contre. Faut se soigner, il faut se soigner. Donc c'est en appuyant sur Tab que j'ai réussi à faire le glitch hein. En me déplaçant. Yes. Pas sûr qu'il le tue. Hein. Ouais.
Il s'est fait défoncer. Me dit s'il nous tape nous, parce que là il a tapé lui, mais je sais pas. Mais ça c'est parce que j'ai pas remis le... Ouais. Bref, en fou. Ok, le chapitre 3 va être terminé. Déjà. Il reste quelques trucs à faire, mais c'est rapide. T'as piégé. Salaud. Voilà, elle est triste. Pleure. Elle s'est fait trahir, rejeter. Allez, on va demander à grand-mère conseil. Chapitre. Le plus conséquent, le dernier, hein, globalement, pour moi. C'est là où il se passe beaucoup de choses. Bien sûr. Euh...
Allez, go. En vrai, est-ce qu'on va sub 2 C'est possible en vrai. Ouais. 40 minutes. Est-ce que ce qu'il nous reste à faire dure 40 minutes? Enfin, moins de 40 minutes. Alors ça, ce moment est exceptionnel. La physique, dans toute sa splendeur, du moteur. Ah.
Je l'oublie. Et pas summon si. Ouais, ici pour se déplacer c'est plus simple de cliquer. Clairement. J'essaie de diriger le perso. Hein. Donc là, il va se passer qu'on va attaquer le château pour essayer de libérer Adrian. Parce que du coup, la source de la vérité nous montre qu'il est attaché, prisonnier. Et comme nous sommes amoureuses. On va aller le sauver. Bah mais... C'est un piège. Mais c'est parce que c'est tapé en 1. Et on est en prison, comme dans le 1. Bah ouais, toujours, forcément, hein. Forcément une phase de prison. Comme dans tout RPG qui se respecte. Heureusement, nous avons un preux chevalier qui nous sauve, nous libère de notre geôle. Mais il connaît pas le mot de passe, ce con. Du coup, il va être démasqué. Et ouais. Et c'était Netto que Adrian. Et oui, toujours et encore lui. Et bah voilà, on est libéré de prison. Hein. C'était rapide. Hein. Aussi rapide que dans le 1. Et même aussi plus rapide.
Ouais, la base secrète. Discussion de meuf. Toi. J'ai du mana, Il a du mana. Peut-être pas assez, mais on verra. Allez, hop. Magie 4. Maison. Bon, notre ami sanglier. Allez, la source de la vérité. Merde, là oui, je préfère avoir les cartes, sérieux. Mieux.
Maison. Alors, hop, tac, 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 tac. Allez, on fait des pompes. Compagnie. Ikuyo. Magic Blade, oh. Blam, 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 blam. Moins de 20 minutes pour finir le jeu, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Essayez, hein. En tout cas, ça me fait dire que c'est probablement possible de sub 2 heures, hein. Même sans glitch. Parce que là, bon, on est vraiment à la pas loin de la fin du jeu là. Hein. Donc...
Allez, rêve gâteau. Là. Ok. Ah, faut se soigner avant le l'ancien dragon. Clairement. Clairement, faut se soigner avant le dragon. L'ancien dragon. C'est probablement un des fights les plus compliqués avec le boss de fin. Mais bon, sinon hein, vous avez bien vu, pas très compliqué hein, les combats, n'est-ce pas? Ça c'est parce que on a tout maxé dans une stat. Absolument tout. Alors toi. Voilà. Allez go. Mange pas les triggers. Tac. Trois coups ça suffit visiblement. Alors lui on met quoi? Absorption magique. Hop, et on défend. Elle est tellement long à taper, horrible. Regardez-moi ça là, il met 3 ans à venir et il va mettre 3 ans à repartir. Malheureusement. Je viens de me taper ce bordel. Putain de dragon de merde. C'est le truc le plus long du jeu. Allez, pitié. Oh la vache. Oh l'animation de merde quoi. Non, ouais. Il meurt de la brûlure. J'étais en train de me dire, oula. S'il vient me taper, c'est la merde. Ah non, il meurt de la brûlure. Bye bye. 13 minutes pour la fin? Ouais, non, c'est pas possible. Enfin, y a beaucoup de fights encore. Enfin, ce sont des one shot, mais. Non. Allez. On récupère Piu Piu, Failure. Allez, hop. Thank you.
Ah putain. Ok. Return home. Cette base. Soigner. La base secrète. Allez. Opération. À l'assaut du château. Je pense qu'effectivement, sub 2 heures est faisable. En vrai. J'appuie sur une mauvaise touche, perte de temps. Gravissime. Bye bye. Oui, je suis à la fin. Là, il reste. Je sais pas. Trois combats, un truc comme ça. J'ai l'impression d'avoir mis plus de lignes là, qu'il ne faut. Oui, il y a une ligne de trop. TDR. Bon, le combat, boss final, enfin, c'est pas vraiment le boss final, mais en termes de difficulté, c'est le boss final, on va dire. Donc magique, absorption, 5 attaques monnaie. Et ensuite on défend. Magique, absorption, monnaie, on défend. Tape pas moi, si, tape moi. J'ai bien fait de défendre, c'est aléatoire ça. Ouais, on tape le dragon. Okay. Oh, aïe. Quelle animation de merde. Mais t'es, c'est bon, t'es revenu.
Les dragons. Magic Blade. Défend. Putain, et puis l'autre il joue. D'habitude il meurt. Bah il va mourir. D'ailleurs là j'aurais pu mourir. Bizarre. Normalement je suis censé défendre. Mais du coup là il a joué donc c'est bon. J'ai besoin de défendre. Je peux taper. Bizarre. Parce que j'ai vraiment pas de point de vie hein, pour la fin du jeu en vrai. Beaucoup de défense mais j'ai pas de point de vie. Normalement les gens ils ont 800 points de vie ici. Voire plus. Bref. Comme il a joué. Il doit pas en jouer. Cinq minutes pour le dernier final, le dernier combat, en vrai. En vrai, est-ce que... Est-ce qu'on sub 2? Je sais pas. Faut que j'aille sur la montagne, il y a des cutscenes, machin, truc, comme d'hab. Bon, faut que je trouve la solution surtout pour l'early game en fait. Minutes. Non, si. Mais... Je n'ai tout ce que j'ai, hein, mais... Pareil, invisible. Magique, simple. Et j'attaque monnaie deux fois. Et c'est fini. Si long. Ouais, c'est largement faisable. Franchement, j'ai pas fait de split vraiment très détaillé. J'en avais un peu rien à foutre. Alors, magique, simple, explosion. Encore une.
Bah nickel. Sub 2 à première run, je m'attendais pas à ça. Hein. Je m'attendais pas à ça. 40 secondes, le dernier chapitre. MDR. Et bah nickel. On va même pouvoir regarder la petite. Où ça? Au niveau des règles, je me suis calqué en fait sur les règles du jeu mobile. Et le temps final est quand tu tues le boss final. Donc bah, parti là-dessus. La scène du bisou comme dans le 1. Bah oui. こうしたらアドリアンが喜ぶんだって。でもよくわからない。アドリアン、何かわかった？オレス。本当に何も感じない？うまくは言えないけど。 触れた時ピリッとしたの。汗を少しかいて胸の奥がキュンとなった。それだけ。好きな人の手をつないだら普通はそうなるんだよ。エイリンの手をつないだ時はならなかったよ。うん、俺とエイリンは違うから。 Bon bah c'est nickel hein. La route fonctionne, il y a juste vraiment l'early game où c'est un peu merdique. J'ai pas pu faire les choses dans le bon ordre. Ça fait perdre un peu de temps. Donc oh, c'est cool hein. ルナは違うこと言ってた。キスしたら好きな気持ちがもっと大きくなるんだって。ビズー。難しい？アドリアンもやったことない？ What the fuck? En dernier, lui. Ah, compris. Il le bisou. Incroyable ça. Bon, le 3, 3, 1, 5, 2.
mets à 8h. Ok, ensuite. Il met à 10h. Il volait, c'était Witch Spring 3. En sachant que c'est plutôt le 2. On voit une apparition hein, de Paiberry et de Luna d'ailleurs. Si on fait le post-game, on voit Justice. On voit le roi aussi. Ah non, c'est lui. En paix. Oui. À 10h. À 9h. Vote à 10h. Oh, j'ai mis 10h en plus. Oui, bah oui, ça. Donc, champé. Vite. Ah non, champ. Ok. Donc, lui. Lui, non, 11h. Bah, je fais mon planning hein, de taf demain. Hop. Passage. Donc lui 10h. Bon bah c'était bien. C'était bien. C'est le dernier.